Voici un texte de Sol par Favreau. Salut. Tous les 4 ans à peu près, ouais, ça nous tombe dessus. La ville est invasionnée par la campagne et par les cantines. Ah, les cantines. Ah, les cantines. Ah. Et on nettoie et on aspire. C'est en électrolux qu'on se paye. Mais on se met à 4, 5, 6 sur le même siège. Et on aspire, on aspire. Et c'est le meilleur aspirateur qui gagne. Il regarde le siège et le dossier avec les candidats, les candidats. Toujours la main son pitourdel. Chers amis, chers électrons, je ne suis pas là pour vous faire des pommettes. La lutte est serrée et étouffe. Nous avons des adversaires de terre. Et si l'heure est grave, la nôtre aussi. Écoutez-les, vos adversaires. Ils vous disent que tout va bien. Eh bien non, ils sont dans l'horreur. Tout va mal, très énormément mal. Y'a qu'à voir les horrifiques malheurs qui vous varicèlent dessus. La confiture est de moins en moins économique. Le produit national, de plus en plus brut. Et ils prétentionnent que ça va bien. Puis, quand ils savent plus quoi dire, ils s'excusent. Eh bien oui, le gouvernement n'a pas de paternative. C'est la bourse ou la vis. Facile à dire, la bourse ou la vis. Quand la bourse a la main de base, hein, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils serrent la vis. Et le résultat, le gamin d'œuvre n'a plus d'ouvrage. Mais là, mesdames et messieurs, ils sont fiers parce qu'ils ont l'assurance chômière. Hé, mais c'est pas mieux avec l'assurance chômière. Même les maisons ne travaillent plus. Et quand leur truc colle pas, ben, ils font le contraire. Ils desserrent la vis et la bourse se remplit. Et là, mes chers électrons, c'est pire. Quand la bourse est pleine, et bien tout le monde dépense sous comme des fous, comme si bien elle veut. D'ailleurs, ça donne l'inflammation et tout le monde s'assaisonne avec la salière minima. Non, mesdames et messieurs, je vous le dis, nous sommes au bord de la ligne. Et quand nous serons accumulés au pied du murmure, il sera trop tard. De l'attentisme au pacifisme, y'a qu'un pas, le pas de loi et mesure de la guerre. Et qui, je vous le demande, qui paiera le compte de la mère loi? Allons-nous nous laisser traire? Allons-nous attendre le retour des lois blanches? Non, chers électrons, je vous en supplie, prêtez-moi une oreille attentative. Y'a qu'une chose à faire, finis le repas du guerrier, il faut passer à l'attaque. Oui alors, là, quand il entend des discours comme ça, eh ben, le bon sens ne fait qu'un tour. Il se dit, les candides, ah, ah ah, pauvres candides, faudrait tout de même leur donner leur siège. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, un siège éjecteur.